Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je demeure un peu en avance, finalement je me suis réveillé à 7h du mat. Alors j'espère que je couvre rien parce que je me suis réveillé. Alors je me suis levé à 7h, mais je me suis réveillé je pense vers 5h30 du mat, donc j'ai pas trop dormi. Et je sais pas pourquoi j'ai un nerf de l'épaule, je me suis retourné dans mon lit, ça m'a réveillé et j'ai jamais réussi à m'endormir. Donc j'espère que je couvre rien et que c'est pas une forme de rhumatisme. Du coup, par précaution, j'ai mis un gros pull, enfin un gros pull, un bon pull. C'est pas le pire que j'ai en résistance au froid. Avec un bon col histoire de pas choper froid. En plus, voilà, je présente assez bien face à vous. Donc j'ai envie de dire, si ça vous plaît pas, je vous en kikine. Non, mais c'est bien, c'est confort. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je sais plus. Bref, je vais faire un peu de Spen Lucky en attendant les copains et J-Club et Petit Seb pour, vous savez, des cocus en robe de mariée dans l'espace. Alias Starbound. Je ne dis plus que cette dénomination qui me fait rire. Bon, bref. Voilà. Joie, jour de détente et de drôlerie. Je commence sur du Spen Lucky et on se lance tout de go, tout de suite. C'est là où ma plateforme de jeu va me dire: non, t'as pas joué depuis 10 000 ans, tu joues pas. Quoi? Eh, ça laisse rêveur quand même le jour férié le mercredi là qu'on a eu 1er novembre. Oh, je me dis vraiment si dans notre beau pays on pouvait avoir le. Faire pas 35 heures dans le rythme de travail, mais 36 heures. Faire 4 fois 9 heures. Lundi, mardi, jeudi, vendredi, j'achète tout de suite. D'avoir le mercredi, samedi, dimanche en repos, c'est bête, mais je trouve. J'adorerais en fait. Je sais pas si un jour la vie me fera ce cadeau de retrouver ce rythme-là en activité, ce serait trop bien. Bref, bon, c'est pas tout de bavarder de faire de la pseudo-politique à 2 balles. C'est pas comme si c'était pas du tout mon registre. Alors, ah, il faut que je reprenne la manette. La manette. La manoute. Bon. Non, c'est pas ça que je voulais. Oui, je sais le. Attendez, je voulais mon chat, moi, parce que si vous m'écrivez, je vois pas. Bonjour, Nayonet. Voilà. Là, Nayonet, je viens de te voir grâce à la bonne fenêtre. J'espère que tu vas bien. J'attends les copains pour les étoiles. Le Starbound. Non! Ma webcam, oh, elle recommence à faire sa capricieuse, pour pas dire vilainement sa chieuse. J'ai eu le malheur d'avoir le câble de la. Ah, oh, merdoum. Moi, je vais bien, merci. J'espère que toi aussi, Nayonet. Oh, mais vraiment, ça se joue à rien. Et puis c'est la ferrite du câble. Qui pèse et du coup ça tire vers le bas et ça la débranche vraiment. C'est pas grave, j'en mettrai ma webcam pour Spelunky, pour Starbound, pardon. De toute façon, à mon avis, Spelunky, je vais même pas en faire 3 quarts d'heure parce que il devrait y avoir soit J-Club, soit Petit Sep qui me. Enfin, faut que ce soit Petit Sep parce qu'il héberge le serveur de jeu, mais. Mais comment tu vas, Nayonet? Dis-moi tout. J'espère que tu vas bien, Nayonet. Ouah, une Lexus Touring Car, je t'envie, Nayonet. Oh là là, puis ça me manque le Gran Turismo. J'ai toujours pas trouvé ma foutue prise électrique rallonge que je veux précise d'un modèle précis pour mes PlayStation. Donc à mon avis, demain, il n'y aura pas de Final Fantasy. Je fais pas exprès, hein, mais je suis pas fichu de retrouver le matos que j'avais. Je sais pas ce que je fiche, mais ça m'agace vraiment. Je m'en agace tout au long de la semaine. J'ai très envie de retrouver mes PlayStation. Il y a des jeux qui me manquent, vous n'avez pas idée, dont Gran Turismo. Voilà! Cassage d'urne de protestation. Tu vas bien, c'est cool. Hop là! C'est quand même une invitation au vandalisme, hein, ce jeu. Pillage, balance des urnes. C'est horrible.
La blonde, la blonde, la blonde. La blonde, je crois qu'il est bon de la retrouver par-dessus. Donc j'ai utilisé une corde. Mais ouais, sinon moi ça va. Merci Nayonet. Bah, j'avais plutôt le... Pour tout avouer, hier j'étais pas spécialement bien. Mais surtout au niveau moral, quoi. Puis j'ai essayé de me ressaisir. C'est un tout au niveau du moral. Enfin, c'est surtout l'actualité ambiante qui est morose. Et puis je m'inquiète pour Poupon. Je tourne à la dérision, à la vanne dans son Discord, le fait qu'il passe plusieurs jours sans électricité, mais je suis quand même nerveux pour lui. Oh merde, tant pis, j'abandonne la blonde parce que le fantôme est trop dangereux. Je sais pas à quoi servent ces lunettes. C'est un instrument qui m'est inconnu. Faut manger des bergamotes pour être en forme. Wow, ça fait un petit bout de temps que j'en ai plus des bergamotes, moi. Je crois que ça date du printemps dernier. Puis j'ai dû manger les dernières que j'avais achetées il y a... Wouh ! Il y a longtemps. Oh... Oui, mais c'est malheureux le coup de planter la bombinette dans le chat. Tu sais, t'es tout seul, donc... Il y aura personne pour la désamorcer, je suis navré. Oh non, le jeu qui me fait démarrer. Oh là là, puis je génère une petite araignée sur... Oh non, c'est dégueulasse, ça. Ah bah, c'était sûr qu'elle allait me tomber dessus. Peau de vache. Ah merde, je me suis assommé avec mon propre caillou. Bon bah je suis mort. Non mais voilà, nul. Nul, nul, nul ce que je vais me faire. Da la la. Oui, tu me diras si t'as envie ce week-end, demain, tu sais, de commenter la suite de la promenade. C'est tant mieux, comme ça tu passeras aspirateur. Si le cœur t'en dit demain après-midi de faire la suite de notre avant-dernière promenade. Puis tu sais que je m'adapte, quoi. Si t'as pas envie, machin, je fais autre chose, je sais plus quoi. Enfin, c'est un non-souci, c'est toi. Si t'as envie de commenter demain ou pas. Alors la petite araignée qui fait grave suer. Ouais, demain, ok, 14h30. Bon bah. Tu sais que ça fait toujours une heureuse. Christella, elle adore voir nos promenades, elle adore ça. Donc c'est bien. Je suis pas sûr que ça vaille le coup d'aller là. Ce coup de piège, je vais monter. Putain, j'arrive plus à faire un saut retourné. Voilà. Allez, je suis fou, j'y vais. Ah, j'entends. Ah non, elle est en bas, la blonde. Elle est en bas. Ah, la blonde. J'essaie d'en sauver une quand même. Ouais, oui, oui, notre fidèle spectatrice. Wow! Eh! Généré aléatoirement, ça fait très longtemps que j'ai pas vu une telle concentration de lingots d'or. Oh la vache! Par contre, pour sortir de là, je te dis pas la Moïse. Hop, 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 hop. Alors attends, il y a moyen, mais ça va être sport. Attends. Oh! Eh oh! La manette! Ouais, non, mais là, je suis de la mouise. Là, j'ai eu un bug de manette qui me faisait sauter par erreur. Bon, bah, allez, on recommence. C'est la mouise absolue. Eh oh! Qu'est-ce qu'il y arrive à ma manette, là? C'est comme si j'avais un faux contact dedans et qu'il y avait une... ça disjonctait au niveau des touches.
Bonjour cousin. J'espère que ça va bien. Ah, alors, oulala. Ouais, non, c'était. Vas-y, bouffe-moi parce que. C'est dégueulasse. Ce que le tableau vient de me faire, c'est dégueulasse. Ah! T'as une assistante ce matin, dis donc. Ha ha ha! Tu te retrouves avec une de tes puces dans ton échoppe. Bah, gros bisous à elle. Si j'ai bien deviné ton propos. Ah! Ouais, tout ça pour ça. Encore que, tu me diras si je fais bien péter la bombe. Ouais, c'est Roman, bah bisous à Roman. Bisous à ta puce. Eh bé. Eh bien, c'est une pro du rangement, Roman. C'est bien. Ah, alors, la configuration des lieux ne m'enchante pas particulièrement. Oula! J'avais pas lu les pics. Ah. Alors, attends. J'entends la bombe, mais je la vois pas. Bon, d'accord, y a rien là. Ah, il va me falloir le caillou pour l'arrivée. Il va me falloir le caillou pour l'arrivée. Oula, d'accord, la blonde qui est perchée là-haut. Wouh! Oh, pretty ma blonde. Bah voilà. Moi, je vais essayer rapidement de m'en mettre plein les fouilles avant que le fantôme m'arrive. Hop là. Merde, le caillou, j'ai oublié de le prendre. Ah, c'est une assurance vie, le caillou. Parce que si j'ai un départ de niveau avec des pièges de chaque côté, je suis obligé de sacrifier une bombe, ce qui est pas cool. Oh là là, le casse du siècle. Oh, c'est rarissime quand je fais plus de 20 000 de pépettes en un niveau. Enfin, du moins dès le début, dans le premier monde. C'est démentiel ce que j'aime faire. Oh non, ils vendent plein de trucs que j'aime pas. Encore que la machette à la limite, mais. Pété de toune. Pété de tounasse. Ça coûte combien? Ouais. Je le fais sans véritable conviction, c'est triste quand même. J'espère que ça vaudra le coup, j'ai pas l'impression. Joie. Oh merdoum. Hop là. Oh, 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 oh. J'ai fait péter ma bombe là où il fallait, professeur. Fais tomber la machette comme un caillou. Bon, j'en connais qui vont aller se faire en papaouté. Ah non, c'est déjà. Ah oui, j'avais pas vu la flèche. Oh là 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 là. Je ne sais plus jouer. Oh, dégueulasse là. Oh, joli. J'ai une manière d'utiliser le couteau très. Tu joues Strobs.
Je connais pas. Si c'est un personnage connu, là... Oh merde, un scorpion, ça craint. Je me barre d'ici avec ma machette. Adieu. Trosb? Ouais, je connais pas. Je suis un culte. Ce personnage m'est inconnu. La 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 la. Je suis au jabois. Oula. Parfait. Alors. Ouais, la petite taranine, la moirté. Aïe 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 aïe, je pensais pas faire un si mauvais rebond. Merdoum. Alors, le monde des jars. Le monde merveilleux des jars. Ah! Le monde merveilleux des crânes. Ah, bien joué. Bien joué. Alors, l'araignée, elle va. Il n'y a rien qui est bon ici. Ah! Alors, ça, je vais me le mettre en bas. Ah, une échelle, c'est agréable. Ah, oh! À moi la richesse, la blonde est en dessous. Faut que j'aille sauver la blonde. Des sticky codes. La Jed, bonjour la Jed. Le plus important, c'est de sauver la bière. La blonde. Tu m'étonnes. Là, tu me fais penser, j'ai la chance d'avoir ma mousse qui m'attend au frigo pour ce soir. Enfin, ce soir. Pour la fin de journée, quand on fera les bébés. Ça fait... Wouh! Ça fait quoi? Ça fait... Je me demande si ça fait pas près d'un mois que j'ai pas savouré une mousse aux fruits. Ça me manque! Ah, il y a la sortie qui est par là-bas. Alors attends, je fais tomber la, hop, la toile d'araignée. Il y a... Ah merde, si, il y a un pic en bas. Ah, je peux pas lâcher la blonde. De toute façon, vu ce qu'il y a à faire. Voilà. Faut surtout pas que la blonde aille dans le... Là, j'ai la chauve-souris de mes deux qui va venir me faire suer. Vilaine bête. J'achète à moi. Ouais, bon, pour 900 dollars. Allez, un petit lingot bonus et on se barre. Adios, les amigos. Ah, pas chaud au niveau suivant. Le niveau de la muerte. Oula. Oh oh, je suis fou! Oh non! Mais c'est une honte de proposer un niveau aussi pauvre. Oula, puis aussi piégé par le dessous. Oula là! Oui, d'ailleurs, je vais me barrer par là parce que... Ah! Retombe parmi les morts, toi. Toi, toi, mon toi. Toi, toi. Oh, il y a un marchand. Ah merde! Ce que je viens de faire est profondément débile. Ah! Je dois, je dois. J'achète vos bombes chez le marchand terroriste. Ah! Alors j'ai pas sauvé la blonde. Mais j'ai sauvé ma peau. Si mûche! Niveau suivant. Ça a été... Alors celui-là, il a été vite expédié. Hein. Oh non, la fosse au serpent. Oi, 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 un niveau special. Je vais me faire mort par un serpent, je le sens. C'est horrible. Bah alors. Ah oui, merde, non, ça, je peux pas faire ce mouvement. Non, je la sens pas, vraiment. Je préfère me barrer ailleurs. Je ne la sens pas du tout. Oula! Ah, il y a un marchand d'instruments.
Waouh! Bah, où est-ce que j'ai pris un dégât, moi? Ah, il y a encore des bombes, oui. Oh, la vache, la boussole est victime de l'inflation. La boussole est victime de l'inflation. Oui, je suis complètement en barge. Parce que je me lance à sans regarder où je vais. Le truc à pas faire. Il y a des choses. Je vois des choses qui me plaisent. Bam bam boum. Hop là. Ah merde. Merde où? Oh, elle est parvenue à me mordre, la vilaine. Tiens, mange la caisse. Comme ça. Bon. Oh oui! Ça, ça fait plaisir par contre. Tiens. Blingue. Ça aurait été pas mal de faire péter ça. Ça aurait été pas mal, mais. En aurais-je le temps? Oh, puis tu pousses les. Oh, magnifique! Pourquoi je peux pas. Alors là, il y a un truc que j'ai pas compris. Attends, il y a un. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est moi qui ai merdé, pardon. Mea culpa, j'ai complètement merdé. Je sais pas pourquoi, mon cerveau a bugué. Et j'ai pas voulu reconnaître les touches habituelles. Mea culpa, c'est moi qui ai bugué. Bon. On va dire comme un samedi matin, hein, sans offense. Je sais pas pourquoi, j'ai confondu les touches subitement. Ah, je voulais dire. Oui, il joue trop bien. Ah, oui, bah. Ce temps est révolu de trop bien jouer. Parce que là, j'ai fait de la mouise. On se le dise. Ah. Ah, j'avais oublié l'existence du pistolet lance-toile. Le pistolet araignée. Aïe! Évidemment, les araignées ne peuvent pas être prises dans leur propre piège. Retenez la leçon. Je viens de me faire avoir comme un troufignon. Burp. Burp. Triple toile. Va te manger ça. Non, mais c'est dégueulasse. Encore un niveau dégueu, là. C'est. Non, mais c'est pas jouable, votre truc. Je rappelle que chaque niveau est généré de manière aléatoire. Et par moments, le jeu est très vilain. Oh! Regardez. Non, mais. Oh là là. Il n'y avait pas un caillou derrière. Bon, j'ai un crâne, mais. Le crâne va déclencher qu'un seul piège sur les deux. Regardez-moi ça. Voilà. Ah, je suis désespoir. Hop là. Évidemment, j'étais dans la trajectoire de la flèche. C'est un massacre. C'est la session du massacre. Merdoum! La 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 la. Aïe, j'ai que de beurre, j'ai que de beurre, voilà. Ah! Une brande. Une brande qui a du chien. En espérant qu'il n'y ait, oui, qu'il ait pas de pique. Hop. Hop là. Hop là. Très bien. Hop là. Oh merde. Il faut bien qu'il y ait déjà piégé. Ouh, d'ailleurs, je me méfie. Ta-d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 a.
Je dirais pas non, petit caillou que je pourrais pas atteindre parce que voilà. Soupir. Là, je vais boire un coup. Alors encore merci cousin du compliment, je joue trop bien, mais bien que je me trouve encore brouillon, il est vrai que je suis obligé d'avouer une certaine routine. Maintenant que je le fais quasiment tous les week-ends, au moins une heure, il y a une routine qui s'installe. Et je finis par avoir des réflexes félins pour certains trucs. Là, j'ai failli commettre une énorme bourde qui est de m'assommer moi-même avec mon propre projectile, ce qui est débile au possible. Voilà. Ah, c'est Roman qui est devant l'écran. Merci Roman. Je sais que tu es ma plus fidèle supportrice. Et voilà, je fais mon vilain, j'ai acheté des bimbes. Attendez, on va peut-être acheter des cordes aussi finalement. Bon, oui, pris les cordes quand tu t'as acheté. J'ai fait mes emplettes. Ah oui. Ah, la tentation de semer le guac. Ah non, faut que je résiste parce que sinon après les marchands vont être méchants. Il faut que je résiste à la tentation. Ah bon, vous voyez, je m'en serais voulu d'avoir offensé. Bon, j'ai plus de thunes, mais c'est pas grave. Au moins, il est pacifique. Il est pacifique, ce vendeur. Moi, je dis, tous les ennemis devraient être pacifiques. Je suis le pacificateur au fouet. Voilà. Oh. Oh. Ah oui, des caisses de matos. Donnez-moi tout. Oh là, attendez. Oh, ça fait zizir. La boussole en cadeau qui nous indique où est la sortie en bas. Stratégiquement, ça peut être vachement important. Alors attends, la blonde est là. Ce serait bien que je récupère le coffre avec la serrure. Je sais pas où est la clé. Oui, d'ailleurs, j'ai bien fait de balancer le coffre. Vous avez vu. Hop là, je tourne. Oh bien, j'ai assommé le corbeau, joli. Ah, la clé est là. Et hop là, c'est comme ça qu'on fait. Oh, je suis content. J'ai envie de dire le scorpion à payer pour tous les autres. Ah, la tunasse, je suis riche. Ah. Attendez, réfléchissons. Nous avons besoin de procéder à une petite incision dans les rochers. Ah. Ah. C'est mauvais réflexe. Alors attention, que vaut la jarre? Rien. C'est une jarre neutre. À moi l'œil de Kali. Je vais vous expliquer tout l'intérêt d'avoir l'œil de Kali. La délaisse Kaili peut vous donner bénédiction et... Bénédiction et malédiction, ça dépend si vous l'offensez ou pas. Bonjour petit Seb Live, attends pardon, je te donne une explication, je te lis après. Avec l'œil de Kali, il se trouve que... Ah, la chair de poule, ça veut dire que c'est la fosse aux araignées. Je préfère encore plus les araignées que les serpents, pour ma part. Avec l'œil de Kali, déjà je peux accéder au marché noir. C'est-à-dire dans la jungle, il y a un niveau spécial avec tous les marchands dans un seul et même niveau.
qu'on peut trouver avec l'œil de Kali dissimulé dans les roches à faire péter à la bombe. Oh mon dieu, il y a trop d'araignées. Et je vais me casser la figure, mais alors puissance 1000, voilà. Je peux pas me raccrocher là où il y a le... Putain, mais c'est la folie, quoi. Ah! Attendez. Oui! Si, il y a quelque chose à faire. Allez, descends plus bas, vilaine. Vilaine! Et l'œil de Kali permet d'avoir la vraie fin qu'on ne verra probablement jamais avec moi, parce qu'il faut être complètement acharné pour finir ce jeu. D'ailleurs, si un jour honnêtement je parviens à atteindre la mauvaise fin, croyez-moi que je serai heureux, mais vraiment je sabre le champagne. Bonjour David Le Dib, j'espère que vous allez tous bien. Donc petit Selblav qui dit bah heureusement que tu devais faire la grasse matinée. Ouais, tu vois, il s'est produit l'inverse de ce que j'avais annoncé. Mais dans le sens pas cool, parce que je pense que je me suis réveillé avant 6h du mat et je me suis levé à 7h du mat parce que j'ai un nerf de l'épaule qui m'a fait mal. Je me suis retourné dans mon lit et ah, j'ai une douleur qui m'a réveillé. Et du coup, bah, lève tôt quoi. Donc tu me dis quand tu te sens prêt, hein, petit Seb, pour. Je te laisse tout doucement démarrer ta matinée. Puis tu me dis quand tu mets le serveur Starbound que je passe en Starbound. Bon là j'arrive à la jungle, j'ai sauvé mon honneur. Ok, tu vas lancer. Oh mon dieu, alors que je suis dans le niveau de... Quoi? La jungle plus l'obscurité, mais c'est des malades. Je vais jamais survivre moi. Oh. Non mais le jeu de la violence quoi. Ah, je marche beaucoup plus vite avec le, avec les godasses. Et je saute mieux, je l'ignorais. Oh la vache, le cumul jungle-obscurité, c'est la violence. Enfin, je trouve, hein, c'est mon point de vue. Et je le partage. Abruti de... Non! C'est pas ça que je voulais faire. Oh là 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 là. Attendez-moi. Voilà, merci. Oh la vache! Ah, les plantes carnivores, elles sont abominables. Oh, étrange structure. Ah merde, je l'ai assommé, mais j'ai pas récupéré mon... Ah, merci. Wouhouhou. Oserais-je dire, je joue avec le feu. Oh non, super crapaud de la muerte. Non, je mérite pas ça. Va mourir, toi. Oula. Oulala. Ah bah, la sortie est là. La sortie est là, la 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 la. Oula! Dangereux ça. Ah, intéressant ce qui se passe. Intéressant parce que je peux passer. Oh merde. Dommage, la chauve-souris va me contraindre à me barrer. La chauve-souris en vol stationnaire sur la torche. J'arrive, petit Seb. Ouais, la jungle obscure, c'est terrible. David le dit, ça va et vous? Ta cam est figée? Et alors ton bras est engourdi? Non, ma cam est figée, ma cam est figée. Je vais vous la rétablir quand je vais basculer en Starbound d'ici 5 minutes avec petit Seb. Et puis il y a Jay qui nous rejoindra dans la matinée. J'espère qu'il va mieux, petit Seb. Normalement, il va mieux, il avait un rub. Il avait un terrible rub. C'est terrible. Burp. J'irai faire la bamba. Woo! Oui, merci petit Seb, j'ai vu la notif comme quoi t'as lancé. Je suis en joie. Merci d'avoir préparé tout ça. J'y arrive, j'y arrive. Bonne histoire.
intergalactique. Oh, la blonde qui est dans la flotte. La madame de bombe. Oh, 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 l'œil de Kali qui réagit. L'œil de Kali qui a réagi. Ça veut dire quelque chose, mais je sais plus quoi. Oh, non. C'est quoi cette config de la moelle? Oh non, puis il y a les macaques de la moelle. Je sacrifie la blonde. Oula, la blonde qui va mal finir. Non, ça va. Les macaques qui vont faire suer, évidemment. Arrête de me dépouiller, vilain singe. Quoi? Quoi? Je me suis offert en sacrifice à la déesse noire. Non mais tu rigoles? Je suis tombé assommé à cause de l'abruti de singe sur l'autel de sacrifice. C'est pas moi que je voulais me... Non mais... Je savais même pas qu'on pouvait se sacrifier. Et ce sont les cloches du salut que vous venez d'entendre qui m'emportent vers l'univers de la muerte. C'était Spen Lucky et je vous remercie. Burp. Ce jeu de fou. Oh mon dieu. Ça devrait être un succès. Se sacrifier sur l'autel de Kali soi-même. Moi je dis, ça devrait être un succès. Je vais te rejoindre dans Starbound, petit Seb. J'arrive. On va rejoindre notre vocal privé. Notre vocal privé. Et...